cette fierté-là de chanter en français. Puis j'ai pu chanter en français aux États-Unis, au Mexique. À chaque fois, le public, même s'il n'est pas francophone du tout, il est au rendez-vous. On arrive à embarquer même des gens qui ne sont pas francophones là-dedans. Donc, quelle belle fierté d'aller à New York puis de chanter devant quelques centaines de personnes en français. Ça, c'est super. C'est une belle expérience. Je trouve que les jeunes, ils écoutent pas assez de la musique française. Ils écoutent surtout de la musique anglaise. Alors, je trouve qu'ils devraient plus écouter la musique française. Parce que moi, j'en écoute beaucoup. Puis c'est une langue qui a beaucoup de précision. C'est une langue qui a les mots pour exprimer des émotions, pour exprimer des situations. Fait que j'ai toujours un dictionnaire des synonymes pas loin, parce que ça me permet de découvrir toutes sortes de mots que, à la base, j'aurais pas utilisé spontanément comme ça. Donc c'est un ouvrage qui m'aide beaucoup, le dictionnaire des synonymes. Est-ce que vous êtes fière de chanter en français? Oui, très, très, parce que moi j'écris pas dans d'autres langues, tu sais. Pourtant je suis bilingue, je parle anglais, je parle un petit peu espagnol, pas assez bien pour commencer à écrire. Mais... quand je chante en français, ben je comprends ce que je dis. C'est important parce que si on n'écoute plus les gens de notre génération, eh bien ça veut dire que les jeunes après, ils vont plus en écouter, puis c'est un peu pas disparaître, mais quasiment. On leur montre c'est quoi, en fait. Laissons-nous raconter quelques classiques francophones de partout au pays. Les classiques qui font que le français reste bien enraciné dans notre culture. Le français reste bien. J'aime la chanson francophone, les chansons francophones. J'écoute beaucoup de musique francophone quand même, et j'aime ça.